commentaire de la conférence. J'invite à venir prendre place les anciens secrétaires de la conférence. Les membres du Conseil de l'Ordre. Les anciens bâtonniers non membres du Conseil de l'Ordre. Les anciens invités des rentrées de la conférence des Hauts-de-Seine. Les bâtonniers étrangers et bâtonniers francophones. Les anciens bâtonniers, membres du Conseil de l'Ordre. Madame Isabelle Clanet di Lamani, bâtonnière élue, et Monsieur Fabien Arakelian, vice-bâtonnier élu. Monsieur le bâtonnier Michel Guichard. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis, chers tous, je voulais tout d'abord vous remercier d'être venus à la rentrée du barreau des Hauts-de-Seine. J'ai l'honneur d'ouvrir la 49e rentrée du barreau et 34e rentrée de la conférence. Nous fêtons cette année les 50 ans de notre barreau.
Comme une valse, cette rentrée se déroulera en trois temps. Le thème de la fraternité a été le fil rouge de notre année. Ce sera le premier temps de notre rentrée, avec l'accueil de deux bâtonniers représentant la défense de la liberté, l'ancien bâtonnier représentant le barreau d'Ukraine et le représentant du bâtonnier d'Arménie. Enfin, un hommage sera rendu à nos défunts. Le deuxième temps sera celui de la célébration de ses 50 ans, avec la projection d'un film, le discours du bâtonnier, la transmission du bâton et la remise des prix au secrétaire de la conférence et au lauréat du concours d'éloquence francophone. Le troisième temps sera celui du procès fictif, avec en introduction un film sur l'histoire de ces procès fictifs qui existent dans notre barreau depuis 30 ans. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir un invité prestigieux, Jacques Toubon, invité 2009. Puis nous ferons le procès de l'élégance à la française en accueillant le parfumeur Francis Kurdjian. Nous vous inviterons. Nous vous inviterons, avec les secrétaires de la conférence, à un voyage sensoriel au pays du parfum. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir notre confrère d'Ukraine, maître Pavlo Lutsiuk. D'accord. Merci. Monsieur le bâtonnier, oui. Vous nous avez fait un cadeau. Nous allons le dévoiler ensemble. Et après, vous aurez la parole. On y va ? Ça va. Voilà. Шановні присутні, я приїхав сьогодні сюди. Chers invités, je suis arrivé aujourd'hui ici. Із воюючої країни. D'un pays qui est en guerre. Ми захищаємо в першу чергу нашу державу і європейські та світові цінності у всьому світі. Premièrement, nous défendons notre pays, mais aussi des valeurs européennes. Et des valeurs dans le monde entier. У нас великі проблеми, але ми поборемо їх. Nous avons des grands problèmes, mais nous allons les surmonter. На фронті гине багато людей, в тому числі майже 20 загинуло адвокатів. Beaucoup de gens périssent au front. Parmi eux, il y a presque 20 avocats qui ont perdu leur vie. Я приїхав сюди для того, щоб підтвердити, що Україна бореться, в ній існує адвокатура, яка також спроможна робити добрі справи. Je suis venu ici pour vous dire que l'Ukraine existe, que les barreaux en Ukraine existent et que nous luttons pour soutenir notre métier et pour soutenir le paix dans le monde entier. Коли я їхав сюди, я визначився з тим, що необхідно ваш колектив ваших однодумців якось привітати виключно тим, що може поєднати і Францію, і Україну. En arrivant ici, je pensais qu'il me faudrait quelque chose pour vous saluer avec un objet qui peut réunir et les Français et les Ukrainiens en même temps. І я придумав такий подарок. Et donc, j'ai imaginé un tel cadeau. Ви бачите, це прапор Франції. Comme vous pouvez le voir, c'est le drapeau de la France. Герб Франції посередині. L'emblème
l'armoirie de la France au milieu. І обидві частини ордена адвокатів ваших. І de deux côtés, ordre des avocats, vos ordres des avocats. Це пано об'єднує український бурштин, це напівдорогоцінний камінь. Dans ce panneau est utilisé de l'ambre. C'est une pierre semi-précieuse. І робота українських майстрів. Et bien sûr, c'est le travail de maître ukrainien. Можна говорити багато, але я обмежений в часі, тому що я дивлюсь, там ще багато бажаючих. Bien sûr, j'aimerais bien encore parler beaucoup, mais étant donné que je suis limitée en temps et en regardant derrière moi, je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui souhaitent prendre parole. І поки вони не наговоряться, вечеряти ніхто давати не буде. Et tant que ces personnes n'ont pas leur parole, vous ne pourriez pas dîner. Donc, on se comprend. Я хочу всім подякувати, хто підтримує Україну. Je souhaite remercier tout le monde, tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Ми точно переможемо. C'est sûr, nous allons gagner. І всіх вас. І всіх вас запрошую в Україну після нашої перемоги. Je vous invite, vous tous, venir en Ukraine après notre victoire. Я думаю, наша перемога буде швидкою. Et j'espère que notre victoire c'est pour bientôt. А гостинність українська здатна прийняти вас всіх. L'hospitalité ukrainienne est capable de vous accueillir vous tous. Вам всього найкращого і хочу побажати, щоб пересічні громадяни Франції і тих країн, які тут представлені, коли розминалися на дорозі із адвокатом чи адвокаткою, поверталися і ніжно кланялися їм як знак шани і поваги професії конкретному адвокату і професії адвокатури. Je vous souhaite à vous tous les meilleures choses. Et j'aimerais bien que lorsque quelqu'un de nous, un avocat, passe dans la rue et les gens qui le connaissent et qui le croisent se retournent respectueusement vers lui pour le saluer, pour respecter, manifester aussi le respect pour notre métier. Всім вам мирного неба. Je vous souhaite du ciel pacifique. І найкращих успіхів в особистому житті. Bien sûr, du succès dans votre vie privée et dans le milieu et dans votre vie professionnelle d'avocat. І дякую за можливість прийняти участь в такому поважному заході. Merci beaucoup pour cette possibilité, l'occasion de prendre part dans ces festivités. Дякую всім. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le bâtonnier. Un autre pays qui a des problèmes avec sa liberté, l'Arménie, nous avons la joie d'avoir Martoun Panossian, qui représente le bâtonnier d'Arménie, qui s'excuse de n'être pas là ce soir, mais il devait être là. Martoun, je te laisse la parole. Merci infiniment. Merci infiniment, Monsieur le bâtonnier, chers présents, Monsieur le bâtonnier, Madame, Monsieur les bâtonniers, c'est un grand honneur pour moi d'être ce soir parmi vous et d'avoir la possibilité de représenter le barreau d'Arménie lors de cette excellente soirée. Et là, je vous remercie chaleureusement pour cette possibilité. Je voudrais préciser surtout que déjà, la France et l'Arménie, c'est une histoire de long amour et
pas seulement au niveau des pays, mais maintenant, ça fait déjà plusieurs années, plus qu'une dizaine d'années, qu'entre les avocats des deux pays, il y a des relations très étroites. Et je suis très heureux et très fier de constater que le barreau de Haute-Seine est aussi considéré parmi les barreaux étrangers avec qui on a des relations particulièrement étroites et amicales et confraternelles avec le barreau d'Arménie. Et je voudrais encore une fois remercier aussi le barreau de Haute-Seine pour que vous êtes toujours à nos côtés. Et déjà, le signe de cette amitié, c'est la convention de coopération qu'on a signée récemment entre vous. Et pour ce moment difficile pour l'Arménie, vous avez montré votre solidarité. On est très fiers, on est très reconnaissant à vous pour être à côté de nous dans ce moment difficile pour notre pays et pour notre nation. Encore une fois, merci à tout le monde. Et Monsieur le bâtonnier, encore une fois, merci infiniment pour cette possibilité. Et je nous souhaite à nous tous une très belle soirée et un très bon bonsoir à nous tous. Merci beaucoup. Merci. Nous souhaitions faire un hommage aux défunts. Le cabinet Fidal a payé un lourd tribut cette année avec le décès de deux de ses associés. Tout d'abord, Denis Beaulieu, né en 1949. Ancien instituteur, Denis avait prêté serment en 1989 à Douai, puis fait sa carrière à Amiens, Arras et Rouen. Il a rejoint notre barreau en 1996, pour devenir membre du Conseil de l'Ordre pendant 3 ans. Membre du directoire de Fidel, il était un grand fiscaliste, très engagé dans la profession. Xavier Stockley est né, lui, en 1966. Il s'était inscrit au barreau des Hauts-de-Seine en 1994. Associé chez Fidel en droit des affaires, il était un professionnel reconnu et estimé pour sa rigueur et son perfectionnisme. Pascal Lacrampe est né en 1945. Après une carrière comme directeur financier, il a prêté serment à Paris en 1988 et s'est inscrit à notre barreau en 1998. Il aimait le droit et la justice. C'est pourquoi il avait décidé à 40 ans de retourner à la faculté afin d'accéder à la profession d'avocat. Valérie Wagner est née en 1966. Elle a prêté serment à Paris en 1997 et rejoint notre barreau en 2013. Elle s'était investie dans le droit des affaires. Elle est décédée des suites d'une longue maladie. Anne Conil Dimitrescu avait prêté serment en 1967 en se fixant à Antony. Elle s'était fortement impliquée dans la cause des femmes et a principalement pratiqué son activité dans le droit de la famille. Enfin, un petit clin d'œil à Olivier Cousy, bâtonnier de Paris, qui est décédé en début d'année et qui a assuré avec courage son mandat jusqu'au bout. Notre barreau se souviendra de ses consoeurs et confrères et adresse à leurs familles et amis sa plus profonde compassion. Et puis, il y a le décès d'une magistrate en robe en pleine audience le 18 octobre à Nanterre. Elle s'appelait Marie Truchet. Elle avait 44 ans, c'était une magistrate remarquable, consciencieuse, à l'écoute des avocats. Notre tribunal est en deuil, mais aussi en colère. Je voulais reprendre ici l'hommage vibrant de Madame Imbert, son amie magistrate, elle aussi. Marie avait crié pour obtenir des moyens humains nouveaux, mais il ne s'est rien passé. Elle a continué à travailler beaucoup, ne comptant pas ses heures. Il y a une plainte contre le garde des Sceaux, la Ligue des 3000 magistrats et des manifestations. Marie a continué à crier, mais il ne s'est rien passé. Elle n'a pas été écoutée. Marie est tombée il y a un mois. Elle ne s'est pas relevée. Ce drame met en lumière les conditions de travail de la justice qui se dégradent. Notre barreau, avec la communauté judiciaire, continuera à se bagarrer pour obtenir des moyens. La justice doit devenir une priorité nationale, comme l'ont montré les États généraux de la justice.
Une justice dégradée est une atteinte à la démocratie. Continuons donc à soulever notre colère et participer le 22 novembre au mouvement national. Je vous remercie d'observer une petite minute de silence pour nos chers défunts. Merci pour eux. Voilà clos le premier temps de la fraternité. Maintenant, partons sur la rétrospective des 50 ans de notre barreau avec un film qui va conter notre belle histoire. Bonjour, je suis Philippe Cariot. En 1972, j'étais le petit dernier, le baiseau, le gamin, le seul avocat stagiaire des 8 membres fondateurs du barreau de Woodstock. J'ai donc appris avec une immense satisfaction que, à la suite de la création des départements périphériques. Nous allons faire un tour au-dessus de la région parisienne afin d'essayer de déterminer les meilleurs emplacements pour l'implantation des futures préfectures des départements qui viennent d'être créés. C'était le 10 juillet 1964, le Parlement venait de donner naissance à l'actuelle région parisienne, 8 départements pour remplacer la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne. Il était question de créer des juridictions, des tribunaux dans chacune de ces préfectures et qu'il serait donc nécessaire que se créent des ordres d'avocats. J'avais entendu parler de la création du tribunal de Nanterre, comme on disait à l'époque. Et un jour, j'étais approchée par le bâtonnier de Paris. Je me demandais ce qu'il me voulait d'ailleurs. Pour me proposer de rejoindre l'équipe qui constituerait le barreau de Nanterre. Donc évidemment, j'ai donné mon accord, parce que mon cabinet principal était à Clichy. Le parquet général de Paris était désolé, parce que seul était candidat au tout début, un ancien avoué et un avocat stagiaire. Ça ne leur paraissait pas tout à fait suffisant et cela ne répondait pas d'ailleurs aux stipulations légales qui voulaient que l'on soit un nombre minimum de confrères. Heureusement, au fil des mois, la liste s'est étoffée et la liste a fini avec 7 avocats inscrits et un avocat stagiaire qui était moi-même, et c'est dans ces conditions que a été créé l'ordre des avocats. À l'époque, on ne savait pas si c'était l'ordre des avocats auprès du tribunal de Nanterre, auprès du tribunal des Hauts-de-Seine. Alors nous avons créé ce barreau de 8 personnes et s'est posé la question du bâtonnier. Donc évidemment, personne n'était vraiment prêt pour endosser cette charge. Nous nous sommes trouvés ensemble dans les locaux d'habitation du bâtonnier Blavier pour une première réunion, une première élection,
et le bâtonnier Blavier a été désigné comme premier bâtonnier de notre ordre. 1972-1974, Dominique Blavier. Je suis le bâtonnier qui va relever le défi de la création du barreau. Dès le 19 septembre 1972, avec 6 autres avocats et un avocat stagiaire, nous allons nous réunir en vue de la constitution d'un barreau. Il faudra attendre l'arrivée quelques semaines plus tard de Maître Colette Julien, 8e avocate, pour réunir les conditions réglementaires pour la création de notre barreau. Je me suis inscrite au barreau de Nanterre uniquement parce que j'avais un domicile qui s'y trouvait. Et finalement, on était très peu nombreux, c'était beaucoup mieux pour moi. Parce que les débuts du tribunal de Nanterre, c'était une vraie famille. On se parlait, on se voyait, on se recevait. C'était enfin, quelque chose près. C'était très, très sympathique. 1975-1976. Jacqueline Péquet. Je suis la première femme bâtonnière du barreau avec les 8 membres du Conseil de l'Ordre, dont Eliane Droit-Marie. Nous poursuivions notre tâche de création et d'embellissement du barreau. Nous voyons croître le nombre de cabinets dans une ambiance humaine, chaleureuse et conviviale. Il fallait tout faire à cette époque-là. Je pense que ça m'a guérie. Je ne suis pas restée comme ça. Ça m'a obligée à avoir des rapports extérieurs. Parce que quand on est au Conseil de l'Ordre, on est convié à aller à droite, à gauche, etc. pour représenter l'Ordre. Et bon, c'était toujours moi qu'on envoyait. Voilà. Et puis après, le barreau a grandi. Beaucoup de choses se sont produites. Notamment, il y a eu deux fusions. 1977-1978. Guy Descloseau. Après avoir exercé mes fonctions d'avoué et après la fusion des professions d'avocat avoué de 1971, j'ai eu la chance d'être l'un des avocats fondateurs du barreau en 1972, puis d'en devenir le bâtonnier en 1977-1978. Notre barreau continue d'attirer les confrères compte tenu de la croissance des activités du tribunal et la création du Conseil des prud'hommes de Nanterre en juin 1977. Alors, je suis arrivée au barreau des Hauts-de-Seine, j'avais 17 ans et demi, en juin 1977. J'occupe actuellement un poste de responsable du service accès au droit et je suis également responsable du groupe d'avocats d'enfants sur le barreau des Hauts-de-Seine. J'ai été recrutée par le bâtonnier Guy Descloseau, dont le fils Benoît est toujours au barreau des Hauts-de-Seine. 1979-1980, Bernadette Pistre. Seconde femme bâtonnière, je suis fière de la croissance régulière et harmonieuse de notre jeune barreau à taille humaine, solidaire et conviviale. 1981-1982, Alain Fricaudet. Si je plonge dans ma mémoire, outre le souvenir de la grande fraternité qui unissait les membres de notre barreau, je retrouve les deux impressions vives d'un combat que j'ai dû conduire et celle d'un fort embarras de conscience auquel je me suis retrouvée exposée. Le combat, quasi identitaire, fut celui pour obtenir des pouvoirs publics l'exclusivité de la postulation en matière civile devant notre tribunal de Nanterre, ce qui passait par la cessation du régime transitoire de la multipostulation dont bénéficiaient les avocats parisiens. Nous étions apparemment les avocats du barreau de Nanterre, installés en banlieue à l'assaut d'un privilège territorial. Ce combat mené par la périphérie contre la puissante Lutèce, siège de la cité, n'est-il pas toujours d'actualité? Quant à l'embarras de conscience, il tenait à la décision difficile pour le bâtonnier de commettre un avocat à celui qui avait tenté d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah d'Iran, alors qu'il déniait à la cour d'assises le pouvoir de le juger et toute assistance d'un conseil. 1983-1984. Robert Garde. Je déploie, comme mes prédécesseurs, tous mes efforts pour démontrer le dynamisme et l'attractivité du barreau des Hauts-de-Seine, qui compte plus de 200 avocats. Malheureusement, en 1984, malgré notre farouche résistance, la démission des membres du Conseil de l'Ordre et la grève des avocats du barreau pour s'opposer au maintien de la multipostulation, qui, selon les engagements pris par le législateur, devait prendre fin. C'est un bien triste Noël qui voit la loi du 29 décembre 1984 pérenniser la multipostulation pour Paris et les tribunaux dits périphériques. 1985-1986, Patrick Kibel. Outre le fait d'être l'initiateur en 1985 du concours de la conférence du barreau, mes deux souvenirs de bâtonnier sont deux événements à la Défense. En 1985, il y a eu la privatisation d'une partie du centre commercial des Quatre Temps, pour une rencontre avec le public et les associations de consommateurs, avec une émission de radio en direct, une conférence de presse et des consultations gratuites toute la journée. En 1986,
le barreau a participé à un débat au Sofitel Défense avec des journalistes, des universitaires, des criminologues et des magistrats, et intitulé « Les criminologues sont-ils des traîtres ?» 1987-1988. Alain Nicolas. Je retiens de mon bâtonnat tout d'abord le colloque organisé avec la Croix-Rouge française ayant pour thème le droit et l'initiative. Ce fut un passionnant colloque sur le droit international de l'humanitaire. Nous avons également organisé avec notre confrère François Caldor un voyage en URSS en 1988 et avons rencontré l'équivalent du bâtonnier de Moscou et de Leningrad pour une expérience inoubliable derrière le rideau de fer. Jean-Luc Rivoire. Si le projet de loi présenté par le gouvernement est adopté, les avocats et les conseillers juridiques ne formeront plus qu'une profession. L'événement le plus important de mon bâtonnat est sûrement la préparation-négociation de la loi de fusion des professions d'avocat et de conseil juridique votée le 31 décembre 1990, dernier jour de mes fonctions. C'est également sous mon bâtonnat que le groupe mineur du barreau a vu le jour. Plus de 30 ans après, la qualité et l'activisme des avocats d'enfants reste fort au sein du barreau des Hauts-de-Seine. Le barreau des Hauts-de-Seine est précurseur en matière de groupes d'avocats d'enfants. On se bat depuis plusieurs années, les groupes d'avocats d'enfants se battent pour que les enfants soient représentés, quel que soit leur âge, sans condition de discernement. 1991-1992, Christophe Ricourt. Pour les deux événements majeurs qui ont marqué mon bâtonnat, je crois pouvoir retenir en premier lieu la mise en œuvre de la fusion des deux professions d'avocat et de conseil juridique qui a occupé très largement mon année de dauphinat aux côtés du bâtonnier Rivoire et ma première année de bâtonnat. En ce qui concerne le barreau des Hauts-de-Seine, ça a été une expérience pour moi tout à fait inoubliable parce qu'on est parti de positions où on ne se connaissait pas. Il y avait donc un choc culturel qui se présentait puisqu'il y avait environ deux fois plus de conseils juridiques dans les Hauts-de-Seine que d'avocats. C'était le seul barreau français où les avocats en place devenaient minoritaires par rapport aux nouveaux arrivants qui étaient les conseils juridiques. Pour l'avoir vécu en tant que président de l'Association nationale des conseils juridiques, je dois reconnaître que nous avions été très bien accueillis, à la fois par le bâtonnier en exercice, qui était Christophe Ricourt, et cette bonne volonté, je crois qu'elle a permis la mise en place d'une fusion au barreau des Hauts-de-Seine, qui a été exemplaire. Le second événement a été la bataille pour obtenir l'autorisation de construire des locaux de l'ordre à l'intérieur du palais. Enfin, je n'oublie pas l'organisation d'une belle fête pour le 20e anniversaire de notre barreau, dont certains, avocats ou magistrats, me parlent encore. 1993-1994. Bruno Berger-Perrin. Concernant les événements que je considère majeurs dans mon bâtonnat, ils sont au nombre de deux. L'organisation des permanences de garde à vue quand leur accès a été permis aux avocats. Et le contrôle des paiements via le compte CARPA pour empêcher les fraudes et détournements de fonds. On peut également rappeler la remise de la Légion d'honneur à notre consoeur, Maître André Malla, la mère de Nicolas Sarkozy, à l'époque maire de Neuilly et ministre. 1995-1996. Pascal Meilleur. Premier bâtonnier issu d'une grande structure, suite à la fusion des professions d'avocat-conseil juridique, je déploie tous mes efforts à relever le défi de faire de notre barreau un barreau moderne et modèle de la nouvelle profession au sein duquel se côtoient activités judiciaires et juridiques, avocats individuels et grandes structures. L'abbé Pierre et le Golden Boy, pour reprendre la formule d'un bâtonnier de Montpellier, Gérard Christol. 1997-1998, Jean Acquaviva. Bâtonnier corse et fier de l'être, je suis le second bâtonnier issu d'une grande structure depuis la fusion. Sans tambour ni trompette, une révolution silencieuse, une révolution invisible s'opère sous nos yeux, dont nous ne mesurons pas assez l'ampleur et les effets. La révolution du droit. Il est acquis aujourd'hui, mes jeunes confrères, que le 21e siècle sera le siècle du droit. 1999-2000. Alain Boulard. J'ai été le bâtonnier de l'an 2000 et j'ai géré la première grande grève de l'aide juridictionnelle pendant 3 mois. J'ai eu la fierté de voir mes 4 secrétaires de la conférence, Isabelle Clanet d'Ilamani, Jean-Philippe Bidegain-Berry, Colin Bernier
et Vincent Morel devenir membres du Conseil de l'Ordre, voire bâtonnier. 2001-2002, François-Xavier Matteoli. La stupeur et les larmes à Nanterre après le carnage de la nuit dernière au conseil municipal. Un homme armé, familier des lieux, a froidement, méthodiquement abattu 8 personnes et blessé une vingtaine d'autres avant d'être maîtrisé. Je me souviens de la tuerie au conseil municipal de Nanterre le 27 mars 2002 et la prise en charge des études supérieures de la fille de Louisa Benacli, notre consoeur assassinée. Au lendemain de la tuerie, ils veulent revoir leurs visages, des visages souvent jeunes. Il y avait Louisa Benacli, une avocate de 41 ans d'origine algérienne, militante des droits de l'homme. Cette adjointe apparentée communiste était chargée de l'enfance, une figure de la vie associative. Louisa était mon amie, elle était mon témoin de mariage, donc ça a été vraiment un moment très, très douloureux pour tout le monde. Et heureusement, il y a eu des moments aussi très heureux, très agréable à partager avec le personnel, les avocats. Me reviennent également à l'esprit le vote du Conseil de l'Ordre et un colloque sur l'avocat en entreprise, la mise en place de la lutte contre le blanchiment, les invités de mes rentrées, le bon Dieu et le diable, le cardinal Lustiger et notre confrère Vergès. 2003-2004, André Gourmelin. Pendant mon bâtonnat, j'ai été particulièrement marqué par l'affaire Outreau. Et le procès d'Outreau restera tristement célèbre dans l'histoire judiciaire pour ses errances, pour ses rebondissements, 2 mois de coups de théâtre qui ont fait dire à certains qu'il s'agissait d'un fiasco judiciaire. 20 ans après, malgré les promesses faites, je ne suis pas convaincu que toutes les leçons aient été tirées de ce fiasco. Je retiendrai aussi l'organisation, en décembre 2003, est pour la première fois par un barreau des premières élections ordinales 100% électroniques. 2005-2006, Claude Duvernoy. Mon bâtonnat pourrait se résumer sous 2 angles. Celui de l'international avec le jumelage avec le barreau de Tunisie et celui de la solidarité avec la création des permanences au Resto du Cœur des Hauts-de-Seine. Pierre Berger. Être bâtonnier, pour moi, c'était avant tout défendre la place du droit. Un message général que j'ai toujours développé, tant au sein du barreau que dans mes autres mandats professionnels, et relatif à l'importance de la place qu'il convenait de reconnaître au droit dans notre société. Ce thème permettait de faire comprendre à tous les avocats l'immensité de leur champ d'activité, tant en conseil qu'en contentieux. L'homme se trouve aujourd'hui en face du plus grave conflit de son histoire. 2009-2010, Philippe-Henri Dutheil. Je me souviens de l'affaire Bettencourt qui a marqué mon mandat car le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, était au centre de l'attention médiatique et le tribunal vivait sous tension. Une affaire familiale qui devient quasiment une affaire d'État, dont l'acmé sera atteinte lors de la rentrée surréaliste en janvier 2010 du tribunal de grande instance de Nanterre à laquelle j'assiste en essayant de maintenir autant que faire se peut la place du barreau. D'autant que Philippe Courroy le sait, chacune de ses décisions sera scrutée à la loupe. En tant que procureur, il est soumis hiérarchiquement à l'exécutif. Il doit son poste à Nanterre au soutien de l'Élysée. Mon mandat a également été marqué par mon élection à la tête de la BIF, conférence régionale des barreaux d'Île-de-France. C'était la première fois que cette institution se dotait d'un président et d'une gouvernance respectueuse de la place de chacun. 2011-2012, Catherine Scheffler. Je suis la 3e bâtonnière du barreau 30 ans après le bâtonnat de la 2e. J'ai connu la mise en place de la réforme de la garde à vue avec l'avocat dès la première heure et celle des hospitalisations sous contrainte avec l'assistance de l'avocat devant le juge des libertés. J'ai eu l'extrême fierté d'être le premier et le seul bâtonnier du barreau à avoir obtenu la Légion d'honneur dans l'exercice de mon bâtonnat. Je me souviens, avec un immense plaisir, de la fête des 40 ans de notre barreau avec mes consoeurs et mes confrères. ...2013-2014... Olivier Benoît. Lors de la première année de mon bâtonnat, mon baptême du feu n'est pas venu d'où je l'attendais. Notre barreau s'est trouvé à la pointe du combat de l'aide juridictionnelle des mineurs. Je ne regrette pas d'avoir fait confiance au groupe de défense des mineurs du barreau et à sa présidente, puisque, de grève locale puis nationale, en démarche auprès de la chancellerie,
Et enfin, en saisine du Conseil d'État, nous avons gagné sur toute la ligne. Ma deuxième année de bâtonnat a été marquée par une atteinte grave aux droits de la défense et au respect dû aux avocats dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'une de nos consoeurs a été non seulement prise violemment à partie par un officier de police, mais frappée par celui-ci à l'occasion d'un interrogatoire en garde à vue. Le policier violent a été par la suite condamné en justice. 2015-2016, Jacques Taquet. Ce soir, Lydienne est avec nous et j'en suis particulièrement heureux. Je vous demande d'accueillir Lydienne Ayoum. Un souvenir marquant de mon bâtonnat remonte à 2016, lors de la libération de Lydienne Yen Ayoum, avocate camerounaise incarcérée pendant 4 ans dans des conditions particulièrement inhumaines. Sa venue sur scène lors de la rentrée a été un moment on ne peut plus émouvant et a rappelé que les avocats, sentinelles de la liberté, restent des cibles privilégiées des régimes autoritaires. Et être ici ce soir est un rêve que je réalise et une très grande émotion. C'est grâce à vous tous que je suis en vie. C'est grâce à vous tous que toutes ces pressions coordonnées ont permis que je sois libérée. Et pour ça, j'ai cherché des mots. J'ai cherché un mot particulier assez fort pour vous dire merci. Je ne l'en ai pas trouvé, simplement, et toujours le même. Merci, mais qui porte tout ce que je ressens de ce que vous m'avez donné comme amitié, amour, solidarité, confraternité. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Le fiscaliste que je suis a tenu à rapprocher toutes les composantes de notre barreau. C'est ainsi qu'a été créé le premier colloque du barreau en droit pénal des affaires. Depuis, la tradition perdure avec des formations visant à créer des synergies au sein du barreau. La modernisation du site internet et le lancement de la nouvelle charte graphique du barreau constituent pour moi une grande fierté. 2017-2018. Pierre-Anne Logerie. Je retiendrai le côté pile et le côté face de mon bâtonnat. Ce fut un bâtonnat de combat, avec par exemple la mobilisation contre le projet de loi Justice. Ou l'installation de cages de verre dans les salles d'audience pénale. Mais je retiendrai également les moments festifs et confraternels avec la création de la fête de la musique. Et la relance des relations internationales avec la signature des jumelages avec les barreaux de Mons et Beyrouth. Ces deux expériences inédites perdurent et se renforcent aujourd'hui. ...2019-2020, Vincent Morel. Mes deux années de bâtonnat, ce furent des amis. Dès le premier jour de mon mandat, les rues se sont remplies de robes noires. Ce fut le temps du bruit. Pour protester contre la réforme de la justice, d'abord. Contre l'instauration de la visioconférence en audience de la CNDA, ensuite. Contre la réforme des retraites et la mise à mal de notre caisse, la CNBF. Puis, l'impensable advint. Soudainement, les rues se sont vidées. Désertées aussi vite que la mer se retire. La Covid avait frappé. Fort, ce fut le temps du silence. La stupéfaction passée, il fallut en priorité assurer la permanence des services de l'ordre et la mise en place des nombreux dispositifs de soutien à destination des confrères. À part ça, il y eut également les travaux de rénovation de nos locaux, menés à marche forcée malgré la pandémie. Les jumelages avec le barreau de Port-au-Prince et le barreau de Constanza, ainsi que le concours des éloquences francophones. La création des avocats prennent la défense et de l'école de la défense pénale, puis les projets développés avec la CCI, la CMA, le conseil départemental, partenaire indispensable. Bref, quel riche mandat. Sur ces 50 ans, j'en ai passé 45 avec le barreau des Hauts-de-Seine. Il faut continuer à penser et à développer toutes les actions possibles pour permettre à tous d'avoir accès à une justice. Je trouve particulièrement enthousiasmant
de constater qu'en l'espace de quelques décades, notre barreau est passé de 8 individus à maintenant, je crois, à peu près 2500 confrères. Voilà le défilé de la vie d'un barreau qui fête ses 50 ans. Je crois qu'aucun barreau de France n'a connu une aussi forte expansion. La fusion des professions il y a 30 ans a bien sûr contribué à la croissance de ce barreau si différent des autres, si attachant, si moderne. Je retiendrai à mon tour de mon mandat les deux superbes colloques sur la place du droit dans la laïcité et dans la fraternité. Deux moments de réflexion intenses sur des sujets d'actualité. J'ai continué à agir pour le rapprochement des avocats avec les entrepreneurs des Hauts-de-Seine, en créant l'école de la fiscalité, en mettant en place un groupe de 30 avocats dédiés au monde artisanal avec la Chambre des métiers, et en joignant notre manifestation « Les avocats prennent la défense » avec les actions menées par la Chambre de commerce et d'industrie pour les jeunes entrepreneurs. Nous avons été aussi très affectés par le décès de notre confrère Loïs Lemoine, puis par celui de Madame Truchet, magistrate, en pleine audience. Au niveau international, nous avons signé une convention avec l'Arménie, où nous avons reçu un accueil dont nous nous souviendrons longtemps. Cap sur les 100 ans. L'objectif que je donne aux futurs bâtonniers est de dépasser les 5000 avocats en allégeant le barreau de Paris. J'ai surtout en mémoire la volonté de ce barreau de se projeter dans l'avenir et d'être un des barreaux, un des barreaux les plus dynamiques de la profession. Je suis très contente d'être venue aujourd'hui parmi vous et je vous souhaite un très bon anniversaire. Happy birthday. Thank you.
Voilà un film. Je voulais remercier Julien. J'ai confié ce film à une petite association. Merci Julien. Merci Catherine. Merci Alexandre. Merci François. Vous imaginez retrouver 50 ans d'images, d'archives. C'était un travail colossal. Et voilà le résultat. Bien. Voilà le moment peu attendu du discours du bâtonnier. Monsieur Jacques Toubon, ancien garde des Sceaux et défenseur des droits, chers confrères, Madame la députée Constance Le Grip, Monsieur le député Emmanuel Pellerin, chers confrères, Monsieur le sénateur Xavier Iacovelli, Mesdames et Messieurs les magistrats, et particulièrement Monsieur le Président, Premier Président de la Cour d'appel de Versailles, Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de Versailles, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur le Procureur de la République et Mesdames les Procureurs adjointes près le Tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur le Président et Messieurs les Greffiers du Tribunal de commerce de Nanterre, Messieurs les Présidents des Conseils de Prud'homme de Nanterre et de Boulogne, Monsieur le Vice-Président du Tribunal administratif de Cergy, Monseigneur l'Évêque de Nanterre, Mesdames et Messieurs les magistrats et greffiers, Madame la directrice de la Maison d'arrêt de Nanterre, Monsieur le directeur de l'IEJ de Nanterre, Mesdames les délégués du préfet des Hauts-de-Seine, Monsieur le directeur de cabinet du maire de Châtenay-Malabry, Monsieur le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine, Mesdames la présidente et vice-présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-Seine, Messieurs le président et le directeur du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, Monsieur le président et le vice-président de la Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles, Monsieur le Président régional des commissaires de justice, Monsieur le Président du MEDEF des Hauts-de-Seine, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions des départements de la région de la CECI, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Mesdames les responsables des Restos du Cœur 92, Mesdames et Messieurs les avocats, particulièrement Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, cher Jérôme, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, cher Bruno, Madame la présidente honoraire de la conférence des bâtonniers, chère Hélène, Madame la bâtonnière de Paris, très chère Julie, Monsieur le vice-bâtonnier de Paris, très cher Vincent, c'est pour me réparer sur ce qu'on a dit un peu plus tôt, Monsieur le président de la CNBF, Monsieur le président de l'Union internationale des avocats, Monsieur le président de la délégation des barreaux de France, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers de la conférence des 100, chers amis, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et bâtonniers élus de la Conférence des barreaux d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales ou internationales des avocats, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, anciens bâtonniers et membres des barreaux de Mons, du Luxembourg, d'Arménie, d'Ukraine, de Dakar, de Beyrouth, du Luxembourg, de Belgique, Monsieur le directeur de l'EDAC, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence des bâtonniers, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et bâtonniers en exercice, Mesdames et Messieurs les anciens bâtonniers et membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les anciens bâtonniers de notre barreau, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires et anciens secrétaires de la Conférence, Mesdames et Messieurs les présidents des cabinets EY Avocat, CMS Francis Lefebvre, Deloitte Avocat, PVC Avocat, KPMG Avocat et Grant Thornton Avocat, plus important, mes chers consoeurs, chers confrères du barreau des Hauts-de-Seine et des autres barreaux amis, plus important. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, vous avez de la chance cette année. Le discours du bâtonnier va être court. Nanterre. Nanterre, pas trop vite le bâtonnier. Ce joyeux sujet, proposé cette année au deuxième tour du concours des secrétaires de notre conférence, a permis aux jeunes avocats débutants de se défouler sur moi-même. Percepteur de cotisations exorbitantes, harpagon dans les dépenses, fiscaliste limité à la seule TVA, parachuté par un grand cabinet,
orateur du prompteur en panne, c'était l'année dernière, avocat de 2 ans d'expérience, j'ai été ce soir-là rincé. D'autres candidats qui avaient choisi le sujet « Il est l'or » m'ont passé la pommade en me qualifiant de « Monsignore » ou de « Don Salluste » tout au long de leur plaidoirie. Ce n'était pas la folie des grandeurs. Peu ont choisi le dernier sujet de Louis Aragon, « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Je me suis ainsi senti cerné de partout. On voulait mon départ. Il me fallait réagir. Je le fais ce soir. Il est vrai que j'aurais préféré, comme l'a proposé la bâtonnière de Paris, faire un an de plus, soit 3 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu de très belles années dans ce merveilleux barreau, pas seul, mais accompagné. D'abord, par le personnel de l'ordre, avec la secrétaire générale Elisabeth Goussu et Daniel Calcagno, notre directeur financier. Notre connivence a permis d'avancer rapidement sur beaucoup de sujets. Nous avons d'abord modernisé notre ordre en intégrant le logiciel de gestion Barotech et en rénovant notre site Internet. Chaque service a été réorganisé. Aussi, je voulais les remercier pour leur travail au service des avocats, Cécilie et Dinka au service des déontologies, Stéphanie, Ludmila et Kelly à l'exercice professionnel, Salma à l'arbitrage honoraire, Carole aux ventes et séquestres, mais aussi Cédric, Corinne et Inès à l'aide juridictionnelle, Saoussane et Amel à la CARPA, Dominique à l'accès au droit, Arnaud et Estelle à la comptabilité et enfin Alexandre à la communication. Un message tout particulier à Bérangère qui tous les jours accueille... accueille maternellement tous ceux qui poussent la porte de notre barreau. Enfin, ce barreau ne pourrait pas fonctionner sans la disponibilité de la compétence des membres du Conseil de l'Ordre. J'y ai aussi trouvé des amis. Je les remercie infiniment, ainsi que les anciens bâtonniers, les avocats ou avocats honoraires, qui, avec efficacité, soutiennent le bâtonnier ou le président de la CARPA dans ses tâches quotidiennes. Les bâtonniers, membres du Conseil de l'Ordre, m'ont beaucoup aidé et souvent m'ont protégé pour ne pas être exposé. Merci à Catherine pour l'apport de son expérience et au travail de recherche de l'histoire de notre barreau. Merci à Pierre-Anne pour avoir mis de la vie dans notre barreau et l'avoir si bien représenté à l'international. Merci à Vincent pour m'avoir aidé à naviguer dans l'ordinalité et dans la déontologie que tu connais par cœur. Je n'oublie pas enfin mes 2 secrétaires, Judith et Anne-Marie, pour ces bons moments de complicité et la gestion administrative de la rentrée, comme en musique Hélène et Isaline de la société Hors Pair, que je remercie également. Je n'oublierai pas également la formidable amitié professionnelle avec les bâtonniers en exercice des grands barreaux, ceux de 2021 qui sont entrés dans la légende et ceux de 2022. Que de moments de partage et de retrouvailles à chaque rentrée. Pour rappel, en France, plus de 140 bâtonniers avec leur vice-bâtonnier exercent cette fonction. Ils sont procureurs, juges, conciliateurs, conseillers, assistants sociaux, confesseurs, contrôleurs, percepteurs, comptables, financiers, RH, communicants, animateurs, décideurs, représentants des prisons et visiteurs de prison. Par exemple, la bâtonnière de Toulon organise depuis une semaine la défense des 234 migrants de l'océan Viking dans des conditions d'urgence indignes. Et le bâtonnier de Nice va maintenant se charger des 120 appels. Les bâtonniers font tout cela en même temps. Et sans compter la situation catastrophique de la justice, l'inflation des textes, un métier d'avocat qui se questionne. Le bâtonnier doit donc se bagarrer sur tous les fronts. Ainsi, durant ces 2 dernières années, notre barreau a été à la pointe du combat. En obtenant un recours préjudiciel devant la Cour de justice européenne avec le CNB sur la directive d'Axis, en gagnant avec le barreau de Paris une question prioritaire de constitutionnalité sur la loi confiance en la justice. Nous avons lancé également un recours
avec l'association des magistrats de Nanterre, sur la clé de répartition attribuant des effectifs dérisoires à notre juridiction, ainsi qu'un référé liberté avec l'Observatoire international des prisons sur l'état de la prison de Nanterre. Au niveau international, nous signerons la semaine prochaine une convention de jumelage avec le Sénégal. Nous sommes allés en Turquie défendre des avocats emprisonnés, voter des motions sur la situation au Liban, en Ukraine, en Iran et dernièrement en Arménie. Ah, l'Arménie. Cela était le plus jour de mon mandat, lorsque nous avons signé avec le barreau d'Arménie une convention de jumelage. Quel accueil, avec quelle fraternité avons-nous été reçus. Cela restera éternellement dans ma mémoire. Je ne reviendrai pas sur l'aide apportée par d'autres barreaux aux entreprises du 92, avec l'aide de la CCI, de la CMA et du Conseil départemental du MEDEF, les colloques sur la laïcité, la fraternité, l'école de la défense, l'école de la fiscalité ou l'incubateur du barreau. Enfin, nous avons mis en place un dispositif de prévention pour lutter contre le harcèlement et la discrimination dans notre profession, avec par exemple la mise en place d'une cotisation symbolique payée par les confrères. Voilà quelques actions de mon barreau. Qu'il est beau, mon barreau, qu'il est beau. Parfois, au fond de moi se ranime la robe noire du plaideur et le costume ou le tailleur du conseil. Au mon ordre, au Nanterre, je prépare mon retour à la tour de la défense. Mon cœur est bourré de souvenirs. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, le conseil de l'ordre aime la castagne. Au mon barreau, au Nanterre. Voilà, mon discours est enfin terminé. Vous avez la chance. Merci à mon épouse, à mes enfants et petits-enfants pour leur patience pendant 2 ans. Et selon ma formule préférée, putain, quelle expérience de vie ce bâtonnat. Ciao, Adichatz, c'était Situm, Do Pobacinia, Pa, Mangidem, au revoir, bye bye. Mais avant de partir définitivement, je vous laisse passer le témoin aux 2 prochains bâtonniers, une bâtonnière, la 4e femme sur 26 bâtonniers. Et le premier vice-bâtonnier de notre barreau. Ils connaissent parfaitement le fonctionnement du barreau, l'ordinalité, le fonctionnement des juridictions. Voilà. Voilà ce que je dois vous donner. Donc, je vous remets ce bâton et j'ai qu'un mot, tout va bien se passer. Rendez-vous le 1er janvier 2023. Restez là, ne partez pas. Revenez, vous avez encore du boulot. Maintenant, nous allons appeler avec Isabelle et Fabien. C'est vous qui allez remettre.
vos secrétaires de la conférence 2023, Mur Maestrati et Mathieu Ristor. Un petit cadeau pour eux. En fait, c'est un cadeau qui vous servira à préparer tous les discours que vous allez devoir faire pendant un an. Bien, et bien vous... le voilà. Merci à tous les quatre. J'appelle maintenant Amaury Le Bourdon, secrétaire de la conférence 2021. Amaury, tu as une tâche, c'est remettre le prix des éloquences francophones qui se sont tenues hier soir. C'est à toi de donner le nom des vainqueurs, même pour ceux qui étaient et l'ont déjà connu. Merci, monsieur le bâtonnier. Comme vous le disiez, la soirée des éloquences francophones, le prix Loïs Lemoine, s'est déroulée hier soir et a permis de désigner un gagnant avocat ainsi qu'un gagnant parmi les étudiants présents. Suite à une compétition particulièrement ardue, j'invite donc maintenant à nous rejoindre sur scène nos deux lauréats. J'ai nommé madame Rachel Maffon, étudiante à la faculté de Malakoff, membre de l'association Lysias, et maître Kadim Cissé, avocat au barreau de Dakar, au Sénégal. Un jury de renom a eu la chance d'écouter des plaidoiries exceptionnelles des avocats de 8 barreaux francophones et de 4 étudiants de l'école des avocats de l'EDAC et des associations Lysias des Hauts-de-Seine. Nous avons été particulièrement impressionnés par les interventions des avocats des barreaux de Mons, de Lausanne, du Luxembourg, de Dakar, de Beyrouth, des Hauts-de-Seine, de la Conférence internationale des barreaux et de la Conférence nationale du Grand Serment. Et bien sûr, sans les oublier, des étudiants des associations Lysias Nanterre, de Malakoff, de Sceaux et de l'EDAC. Je tiens à féliciter encore une fois tous les participants à ce concours. Ils ont su manier, chacun dans leur style, la langue française avec humour et éloquence et allier la plume et le verbe avec talent et panache. Le tout pour nous parler d'Aung San Suu Kyi, d'Elisabeth II ou encore de Noé. Je félicite donc Rachel Maffon qui a brillamment pris la défense d'Aya Nakamura hier soir en militant... en militant, n'en déplaise à monsieur le ministre, à la flexibilité de la langue française. Et bravo bien sûr à Radim Cissé qui a su, de manière très intelligente, attaquer Mario Bros sur son physique, sur sa moustache en particulier et sa tenue vestimentaire. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Enfin, je souhaitais remettre un petit souvenir à mes deux secrétaires de la conférence qui, cette année, ont représenté le barreau en France et à l'étranger. Voilà, vous les connaissez parce que c'est eux qui vont plaider ce soir. J'appelle Joséphine Collin et Mayol Pestre. Tenez. Merci.
Voilà, j'ai qu'à moi vous dire, ça va bien se passer tout à l'heure. Décidément, cet amour magique. Voilà. Allons-y. Allez, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc maintenant, c'est la troisième partie de notre valse. C'est notre procès fictif. Donc j'invite les secrétaires de la conférence 2023 à accompagner sur scène notre accusé, Francis Curdion. Un petit film pour rappeler les 30 ans de ces procès fictifs, ou les plus que les 30 ans. Alors, tu te mets pas sur moi, s'il te plaît. Tu me tiens chaud. Ah bah, je te tiens chaud, excuse-moi. Qu'as-tu fait pour convaincre ton invité du harcèlement, tout simplement 36 mails, 40 appels et puis un déplacement jusqu'à son lieu de travail. Le 06, non, il n'y avait pas de 06 à l'époque. Téléphone de Cohn Bendit, donc ça a été assez facile. Du charme avant tout, beaucoup de charme, je dirais que c'est ça. Mais ma gueule, on n'a pas d'invité. Ah oui, c'est ça, on n'a pas encore d'invité au moment où on fait cette vidéo. Ouais, ouais, c'est ça. On n'en a pas. Je ne sais pas si on peut donner un peu nos filons, mais... On l'a harcelé de questions et de sollicitations téléphoniques. On l'a contacté par 4 personnes. On a envoyé des chocolats, du champagne et plein d'autres choses, voilà. Et je ne peux pas le dire. Ah, je lui ai envoyé 40 roses. C'était une femme ? Non, c'était un homme, mais il a aimé les roses. Meilleure rentrée. On a eu prestigieux invités, Daniel Cohn-Bendit, Arlette Laguiller, Stéphane Bern, Monseigneur Lustiger. Je ne crois pas qu'il y ait de meilleure rentrée. Si, quand même. On a eu Henri Leclerc, qui a ému toute l'assistance. On a Marianne James, qui a ému le bâtonnier. Je crois que la meilleure rentrée, ça reste quand même 99, Marc Jolivet. C'était celle Châtillon qui faisait l'accusation de Lustiger. Ah, 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 je pourrais passer. Non, allez. Allez. Vincent Morel. Vincent Morel. C'est souvenir. Et Vincent Morel. C'est ouais, maintenant. C'est maintenant. Exactement. La meilleure entrée. Bah, la mienne, évidemment. Bah, la nôtre. La nôtre, forcément. Clairement. La pire rentrée. La tienne. Les autres. Vincent Morel. Non, pas à part, excuse-moi. Oh, je dirais même pas son nom, le patron du Monde. Ah, celui-là, ça a été très difficile. Ah ouais, ouais, mais il n'a pas joué le jeu, il était là, ça l'emmerdait à mourir. On est allé le chercher en moto, il a fallu le ramener en moto tout de suite après. Il n'est pas venu dîner avec nous après. Ah non. Sur quel sujet avez-vous été élu ? Sur un sujet de Fanny Ardant, quand on arrête d'essayer de plaire, on touche. Exactement le même sujet. Sujet difficile. Peut-on faire confiance aux aveugles ? Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ah, on s'en souvient plus, c'est trop vieux. C'est trop vieux pour nous. Si, si. Moi, c'était un sujet sur Philippe-Henri Dutheil, donc c'était un bon sujet. Menton comme Don Juan par amour de l'humanité. Waouh. Où sont les hommes ? Moi, je m'en souviens plus, c'est trop loin. Bah oui. C'est vrai que vous exerciez tous en droit pénal. Non, absolument pas. Moi, je faisais du droit fiscal. Et maintenant, je ne suis plus avocate. Mais je fais toujours du droit fiscal. Oui, c'est vrai. Et c'est un mensonge. Mais non, bien sûr que non. C'est fini, ça. Moi, mon maître de stage, mon papa professionnel, Jean-Luc Rivoire, je vais le citer, m'a dit, tant que t'as pas plaidé aux assises, t'es pas avocat. Bon, bah voilà, c'est fini, c'est autre chose. Pas du tout. Département banque, finance, assurance. Et moi, en droit de la concurrence et droit de la consommation. Non, c'est faux. Moi, je fais du fiscal.
dans quelques semaines, on va se retrouver à la cour d'assises l'un contre l'autre. Voilà, ça va être très dur pour toi, mon pauvre Grégoire. Ouais. J'en suis malade pour toi, je te plains. Défense ou accusation ? Accusation, c'est le plus dur, accusation. Oui, enfin, c'est se mettre dans la peau d'un magistrat. Pour un avocat, c'est le plus dur. Défense. Oui, accusation. Par surprise. Pour rédiger le discours, team plume ou team clavier ? Moi, j'ai fait plutôt team plagiat. Non, ben pour rédiger le discours, on n'a rien rédigé. De toute façon, on était au bar des pingouins. De toute façon. Rien rédigé. C'est rien, Alain Boulard qui avait rédigé. Mais à l'époque, rappelle-toi qu'à l'époque, on n'écrivait pas à l'époque. On n'écrivait pas, on improvisait. Comment s'est passée la préparation du procès en binôme ? Il a été insupportable pendant à peu près 3 semaines. C'était un enfer. Tout s'est très très mal passé. Et si j'avais pas été là, on n'aurait pas pu faire la finale. Au bar des pingouins. Oui, c'est vrai. Alors j'ai surtout écrit les textes, tous les textes. Un peu long, mais c'est vrai, j'ai gardé le meilleur. Tu as pris le reste. Oui. Et tu t'en es pas mal sorti. Je ne retrouvais pas ma voiture la veille de la rentrée en sortant du bar des pingouins. C'est pas un peu entre ça. Alors pas du tout. En fait, pas du tout. Ça a été un ciment, le meilleur ciment peut-être entre les différentes composantes de la profession. C'est peut-être... Bon, le conseil de l'ordre, ça a marché aussi, mais c'est dans l'association des secrétaires qu'on a le plus de liens entre des gens très différents de tous les horizons, et ça, je crois que c'était précieux. C'est précieux. L'invité que vous auriez aimé avoir, passé ou futur ? Moi, j'aurais aimé avoir MC Solar. Moi, j'aurais bien aimé avoir Jean-Paul Belmondo. Ah ouais. Ou ta mère ? Ah, ma mère, ça aurait été bien. Si vous deviez refaire le procès, qu'est-ce que vous changeriez ? Olivier. Sans commentaire. Colin. Non, je le garde quand même. Tous égaux ou tous égaux ? Bah, je trouve que on arrive bien à confronter nos égaux quand même. Hein. Alors là, j'ai un truc à vous montrer. Melon d'or et melon d'or, je vais avoir un de ces boulots, moi. Ouais, nous aussi, on t'aime. Ouais, on t'aime. T'es sûr ? Pourquoi la conférence du barreau des Hauts-de-Seine est-elle spéciale ? Un peu parce que la rentrée est un moment exceptionnel, unique, un moment à la fois attendu tout au long de l'année et qui passe très vite. Parce qu'on y est déjà, ça c'est la première chose. Parce que l'exercice du procès est unique. Elle est exceptionnelle. Elle met en scène deux personnes, ce qui n'existe nulle part ailleurs. C'est vrai, procès d'un invité. Procès d'un invité, remarquable. Avocat proc, t'es avocat, tu deviens proc, génial quoi. Ouais, et j'ai été procureur d'ailleurs. Extraordinairement spécial. Super. Ouais, t'as raison. À quoi as-tu carburé avant le procès ? Je crois qu'on a pris une petite coupe de champagne. Au vin. Au stress. Bah, whisky. Et tu vois, on a déjà répondu à la question. On a déjà répondu. C'est plutôt où ? Au bar des pingouins. Déjà carburé au pinard à l'époque, ah, je pense. Ah, pinard. Ouais. On se le dit maintenant, qui t'a écrit ton discours ? Non, malheureusement, c'est moi, et d'ailleurs, je pense que sur certains trucs, ça peut se voir. Tu la vois comment, la rentrée dans 30 ans ? Avec les vieux secrétaires de la conférence, mais vraiment très très vieux sur la scène. Bah, on sera morte, on la voit pas, on sera plus là. Non, mais non, on sera plus là. Enfin, bah, dans 30 ans, on sera ailleurs, en tout cas. Ou alors, je vais te dire, on sera en EHPAD. Hein. On sera pas belle, pas jeune, enfin, on sera plus là. On n'ira pas bien. 3 bonnes raisons d'être élu secrétaire de la conférence. Le titre, déjà. Les 40 heures de formation continue, bien entendu. Et je dirais l'honneur de représenter le bâtonnier pendant une année à toutes les rentrées de tous les barons francophones, d'assister aux rentrées de nos amis belges, de nos amis suisses, de nos amis canadiens et de nos amis français, bien entendu. Nous, on nous fait une surprise. Tout va bien se passer. Merci. On verra. Ouais. Merci aux anciens secrétaires d'avoir mené le bal. Donc, écoutez, maintenant, et c'est la bonne, j'appelle des secrétaires de la conférence 2022, Joséphine Collin et Maïeul Pestre. Allez,
nous chercher notre accusé. Pas grave. Il faut un peu d'improvisation. Vous les avez reconnus, c'est ceux de l'année prochaine. Bien. Bien, 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 bien. Monsieur Kurkdjian, vous êtes né le 14 mai 1969 à Paris. À peine ayant terminé vos études supérieures à 25 ans, vous créez le parfum Le Mal pour Jean-Paul Gaultier. S'ensuit plus de 60 créations pour des maisons de mode. En 2021, vous fondez le premier atelier de parfums sur mesure. Puis, en 2009, votre propre maison de parfum, qui est ensuite rachetée par LVMH, qui vous nomme en 2021 directeur de la création de Christian Dior. Vous avez été interpellé en octobre 2022 avec la complicité du bâtonnier Philippe-Henri Dutheil et vous comparaissez aujourd'hui pour des faits de sorcellerie. Une pièce à conviction vous a été délivrée par les hôtesses. Ne brisez surtout pas les scellés. Cette pièce vous servira plus tard. L'accusation sera servie par le rugueux avocat général Maïeul Pestre. Vous avez choisi pour vous défendre Maître Joséphine Collin. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Odeur délicieuse, divine, exquise, fine, exaltante. Odeur fétide, infecte, nauséabonde, écœurante. Odeur forte, puissante, douce, légère, enivrante. Odeur chaude, fade, fraîche, pénétrante. Odeur de cuisine, de peinture, d'hôpital, de pharmacie. Odeur de moisi, de renfermé, de roussi. Odeur de bouc, de cadavre, de misère. Odeur de femme, d'homme. Et de chair, odeur d'herbe, de fruits, de bonbons, de café, odeur de printemps, odeur d'été, odeur de la terre, du bois, du foin, odeur du pain, odeur du vin, odeur du soir, odeur du matin, imperceptible comme un voleur la nuit, insaisissable comme un rêve qu'on oublie. Inoubliable, comme ce baiser qui s'enfuit. Monsieur le Président, cher juré, un crime a été commis, mais la victime ne le sait pas. Du moins, elle ne le sait pas encore. Ne soyez pas trop sévère envers celui ou celle qui n'a pas eu conscience du coup qui lui a été porté. La victime est si belle et le crime est si gai. Regardez à votre droite, regardez à votre gauche, regardez la personne assise devant vous, mais également celle assise derrière vous. Regardez dans un miroir. Contemplez le visage de la victime de ce procès. Ce soir, nous sommes tous les victimes. Victimes, oui, mais victimes de quel crime ? L'infraction est connue de tous. Mais a déserté nos tribunaux depuis des siècles. D'aucuns l'ont relégué au rang des contes pour enfants et des mythes antiques. Et pourtant, le crime s'accomplit en plein jour, sous nos yeux.
devant cette cour d'assises, le ministère public s'attaque, avec courage et panache, à la sorcellerie. Oui, le mot est lâché, et déjà, vous refusez d'y croire. Il n'y a pire aveugle que celui qui refuse de voir. Pour les plus juristes et les plus puristes d'entre vous, je vous rassure, cette procédure a bien un fondement juridique. Une fois n'est pas coutume, le parquet a fait des recherches juridiques. À Nanterre, nous n'avons pas de code 2022, mais nous avons encore des grimoires. Et par chance, nous avons trouvé de nombreux fondements. Le 4e concile du Latran en 2215, le décret de 1398 de l'Université de Paris, nourri, bien évidemment, par une jurisprudence abondante, jurisprudence issue de la glorieuse époque de l'Inquisition, où chaque juge disposait selon son bon plaisir de méthodes variées et créatives de recherche de preuves. Ébouillantage, briseur de genoux, supplice du chevalet, époque bénie des procureurs. Malheureusement, le législateur moderne n'a pas encore codifié le droit spécial de la sorcellerie. Je vous livre donc, pour les besoins de ce procès, ce que j'entends poursuivre pour crime de sorcellerie. Le fait de procéder à un ensemble d'actions sur des éléments naturels, produisant un effet surnaturel au moyen d'un procédé magique, est un acte de sorcellerie, constituant un crime dès lors qu'il a pour but l'envoûtement, la nécromancie, le spiritisme, la divination ou le maraboutage. Je vous demande, à vous tous, hommes et femmes qui composaient cette cour et cette assemblée, de mettre de côté ce que vous pensez savoir de la sorcellerie, bien sûr, et à minima de votre libre arbitre. Insidieusement, sournoisement, nous avons été manipulés, envoûtés. Un homme a trouvé le point faible de notre humanité, notre odorat. De nos cinq sens, il est le plus miséreux. De nos cinq sens, il est le plus faible. Il est l'accès secret à notre âme lorsque les yeux n'en sont que le reflet. Notre odorat est maltraité, malmené, défiguré par cet ignoble appendice qui trône au milieu de notre face. Cléopâtre en avait un beau et Cyrano l'avait trop gros. Notre nez est donc la scène de crime. Ce n'est alors pas un hasard si le criminel est un nez. Il ne se qualifie pas de lui-même par ce titre. D'ailleurs, il déteste cette appellation pour qualifier son sordide métier. De son propre aveu, le désigner comme un nez entraîne chez lui des accès de violence. Qu'importe, ce nom est donné par le peuple. Alors ce soir, pour cette cour d'assises, Francis Curdian, vous serez désigné comme nez et serez accusé de sorcellerie. Francis Curdian est un anonyme, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un génie pour les autres. Les autres, ce sont tous ceux qui composent son monde. Olivier Podge, Thierry Vasseur, Jean-Claude Elena, Dominique Ropion, Mathilde Laurent, Olivier Crespe. Ces noms ne sont pour vous qu'une liste d'anonymes. Pour nous, au parquet, ils sont fichés S. S de sorcier, évidemment. Mais pour vous, les profanes, les ignorants, les sans-dents, ils ne sont que des inconnus de plus que vous ne remarqueriez même pas si vous les croisiez dans la rue. Et pourtant, entre eux, dans leur univers, ils sont des dieux, des personnalités incontournables, des êtres à part qui réclament adoration et révérence. Notez qu'à ce stade de mon réquisitoire, je vous ai déjà convaincu de l'existence d'un monde auquel vous n'avez pas accès, d'un monde intrigant et impénétrable, faisant de vous les moldus de la parfumerie. Et si vous ignorez même ce qu'est un moldu, je vous rassure, vous êtes simplement ce qu'on appelle communément un vieux.
Alors, pour vous, les vieux, Michel. Et pour ceux qui vivent dans une grotte, je vous explique. Un moldu est un être humain ordinaire, sans pouvoir magique et n'ayant pas conscience de l'existence de la magie. Il est important, à ce moment de l'accusation, que vous, les moldus, compreniez que ne pas avoir conscience de son existence ne fait pas de la sorcellerie une croyance sans réalité. Francis Kurdjian n'en avait pas conscience non plus lorsqu'il grandissait à Gournay-sur-Marne, le Neuilly-sur-Seine du 9-3. Comme tout garçon de son âge vivant en Seine-Saint-Denis, il rêve d'abord d'opéra et de ballet. Il ira jusqu'à incarner Louis XIV en dansant à Versailles. Hélas, le destin tristement classique du jeune, issu de l'immigration, ayant grandi dans une banlieue sensible, le rattrape. Craignant sûrement d'être cigale plutôt que fourmi, mais aussi selon ses mots, pas assez doué pour faire de la danse son métier, et il décide de basculer dans le crime et de devenir parfumeur. À ce moment-là, l'accusé a 16 ans. C'est seulement 5 ans plus tard qu'il commence son initiation à l'école des sorciers, l'Institut international du parfum. À l'image du dealer qui est d'abord guetteur, le parfumeur apprend d'abord à être cueilleur. La maîtrise des matières premières issues de la nature est un impératif pour le maître des potions. À sa demande, des champs de fleurs sont plantés partout en France. Il devient alors le Pablo Escobar du patchouli, le El Chapeau de la rose, le Jean-Luc Delarue du chèvrefeuille. Il plante, il vend, il consomme. Un shot d'huile essentielle pour débuter la soirée, un joint de romarin pour l'inspiration, un rail de lavande pour tenir le coup, une injection de menthe poivrée pour se sentir vivant. Pour chaque occasion, Francis Kurdjian a sa drogue. C'est un camé, un drogué, un toxico. Son nez est un Dyson qui aspire tout ce que la nature peut lui donner. Selon nos calculs, sa consommation est plus importante que celle de tous les avocats fiscalistes du barreau des Hauts-de-Seine réunis. Lors de la perquisition de son domicile, nous avons retrouvé chez lui des centaines de petites fioles et languettes de papier qu'il utilise pour se shooter. Vous avez entre vos mains un échantillon de ces éléments de preuve que je vous demande encore de garder sous scellé pour le moment. Mais l'accusé ne se contente pas de consommer. Il vend également. Et attention, nous ne sommes pas en présence d'un petit revendeur de rue. Nous avons affaire au haut de gamme, à la Rolls-Royce de la fumette, à la drogue de luxe. Comptez entre 100 et 300 euros pour le pochon d'entrée de gamme. Mais si vous êtes plus exigeant, que vous êtes aussi fine bouche qu'un membre du Conseil de l'Ordre et que vous avez les moyens d'un bâtonnier, alors, vous pourrez vous offrir votre drogue sur mesure au doux prix, très doux prix de 8000 euros. Il crée des parfums pour tout le monde, de Yves Rocher à Yves Saint-Laurent. Il est le nez des prolos et des bobos, de la ménagère et de l'héritière. Vous l'aurez compris, avec Francis, venez comme vous êtes. Il est le McDo du parfum. Je viens de vous démontrer que Francis Kurdjian a intégré le milieu de la parfumerie organisée et a pris la tête d'un trafic de plantes. L'effet préparatoire d'action sur des éléments naturels sont indéniables. Mais nous ne sommes encore qu'aux prémices de son crime. Réunir les ingrédients et les mélanger ne suffit pas à faire un parfum et, a fortiori, à réunir les éléments constitutifs du crime de sorcellerie. Un parfum n'est pas simplement la superposition d'odeurs agréables. C'est une symphonie dans laquelle des milliers d'ingrédients peuvent offrir des centaines de milliers d'odeurs différentes. La difficulté réside dans le fait de trouver la bonne odeur pour le bon moment, la bonne personne,
au bon endroit. Pire encore, créer un parfum, c'est traduire un concept. Le parfumeur ne crée pas une odeur pour le simple plaisir de créer, mais pour atteindre un but. Un but criminel dans notre cas, mais j'y reviendrai plus tard. La transformation d'une idée en odeur n'a rien de naturel, et c'est ici que démarre le processus magique. Tenez. Vous souvenez-vous de ce plat d'enfance ? Celui qui a toujours été pour vous à la fois un plaisir et un réconfort. Pour moi, c'est la charlotte aux fraises préparée à chacun de mes anniversaires. Ce souvenir gustatif a laissé au fond de vous une émotion indélébile et un manque inapaisable. Vous parvenez un jour à retrouver la recette, griffonnée sur un bout de papier vieilli par le temps. Heureux de cette découverte, vous partez en quête de chaque ingrédient demandé. Suivez scrupuleusement chaque étape et vous vous retrouvez enfin devant le plat accompli. À sa dégustation, pourtant, rien. L'enfant ne s'est pas réveillé. Le plat est bon, mais ce n'est pas celui dont vous rêviez. Il a quelque chose de différent, quelque chose en moins. Vous n'y retrouvez pas la chaleur de votre maison d'enfance, la douceur de votre mère, la présence de votre père, l'insouciance et l'innocence de ces années-là. Malgré tous vos efforts, vous ne pouvez pas recréer ce qui a disparu, ni ce qui a peut-être même jamais existé. Cette fatalité est dictée par l'inébranlable temps qui passe et l'obligation naturelle de vivre avec le réel. Francis Curdjian, lui, n'a que faire de cet ordre établi. Il sent, pressent, ressent maintes et maintes fois, et enfin il crée. Il crée ce qui n'existe pas dans la nature. D'une émotion, d'un souvenir, d'un sentiment, d'une histoire, il fait un parfum. Voilà l'acte surnaturel, voilà la sorcellerie. Imaginez la peau d'un homme chauffée au soleil après un bain de mer. Vous sentez la chaleur du soleil, la lumière reflétant sur la mer qui vous éblouit, l'humidité de cette peau. Vous ressentez le calme et la sensualité qui se dégage de cette scène. Mais l'odeur, quelle odeur ! L'odeur du soleil, de la lumière, de l'eau, l'odeur du calme et de la sensualité ? Non, bien sûr que non ! Tout ceci n'a pas d'odeur ! Et pourtant, Francis Curdjian vous fait respirer cette scène avec son parfum, le mal. Et si ce n'était pas assez, Francis Curdjian a également le projet macabre de ressusciter des morts. Avec son parfum, la rose de maison, il ramène Marie-Antoinette à la vie. Et vous ne cachez même pas les secrets de votre nécromancie et révélez au monde entier votre formule. De l'essence de rose et de l'absolu de rose de grâce. Un peu de bois qu'on ne perçoit pas, mais qui lui donne de la tenue. Et enfin, beaucoup de musc pour la douceur. Imaginez tout le champ des possibles pour un sorcier comme lui, un démon de la pire espèce. Que vous arrivera-t-il s'il identifie l'odeur qui vous ouvrira à lui, s'il trouve le parfum qui sera la clé de votre esprit? Mais c'est alors que se pose la question de l'élément intentionnel de l'accusé, de son projet criminel, de la finalité de sa sorcellerie. Actus non facit reum nisi mensit rea. L'acte seulement ne fait pas le criminel, à moins que son esprit aussi soit coupable. Et coupable, il l'est. Francis Curdjian a un désir de vengeance. Lui, le jeune d'origine arménienne qui a subi les foudres du rejet de l'étranger. Lui, le jeune passionné de danse qui n'a pas pu mener son rêve jusqu'au bout. Son esprit est torturé par le plus universel des sentiments, l'envie d'être aimé. Pour assouvir ce besoin, ô combien naturel, il a recours au surnaturel afin de tous nous envoûter. Interrogé sur les faits,
Francis Curdjian a reconnu s'identifier à Jean-Baptiste Grenouille, le personnage principal du roman de Patrick Susskind, Le Parfum. Un aveu de Jean-Baptiste Grenouille est donc un aveu de Francis Curdjian. Et pour cela, je vous cite les mots de l'auteur. Il savait qu'il serait capable de créer un parfum angélique, si bon et si plein d'énergie vitale que celui qui le respirerait en serait ensorcelé, et qu'il ne pourrait pas ne pas aimer du fond du cœur Grenouille qui le porterait. Oui, il faudrait qu'il l'aime lorsqu'il serait sous le charme de son parfum. Non seulement qu'il accepte comme l'un des leurs, mais qu'il l'aime jusqu'à la folie, jusqu'au sacrifice de soi, qu'il frémisse de ravissement, qu'il crie, qu'il pleure de volupté sans savoir pourquoi. Il faudrait qu'il tombe à genoux comme à l'odeur de l'encens froid de Dieu dès qu'il le sentirait. Qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur des hommes. Avocat général de mon État, je ne suis pas vraiment un homme et je n'ai pas vraiment de cœur. Alors moi, vous ne m'avez pas eu. Francis Curdjian est un maître sorcier de la création du parfum. Non seulement parce qu'il maîtrise les éléments qui le composent, mais parce qu'il sait lire dans l'âme des femmes et des hommes. À l'aide de son pouvoir, il corrompt le besoin d'amour et cherche à tous nous envoûter pour que nous l'aimions contre notre gré. Je vous le redis, ce soir, nous sommes tous les victimes de Francis Curdjian. La parfumerie élevée au rang de création surnaturelle est un acte de sorcellerie que la société doit rejeter pour sa propre protection. Cette cour reconnaîtra donc Francis Curdjian coupable de sorcellerie. La reconnaissance de la culpabilité appelle ensuite le choix de la peine. Il est de jurisprudence constante que la sorcellerie est condamnée par le supplice du bûcher. Convicta et combusta. Et je vous renvoie notamment à l'affaire numéro 143105, Jeanne d'Arc contre Orléans. Et il ne fait aucun doute que mon patron, Pascal Prache, sous pression de la chancellerie, désire cette sentence. Et vous connaissez l'adage, la plume est serve, mais la parole est libre. Mon augmentation étant indexée sur mon nombre de condamnés, ma parole est librement la même que celle de la hiérarchie. Avec toutefois une nuance, contre vous, Francis Curdjian, non, je ne réclame pas la purification par le feu. Bien au contraire, il est essentiel que rien ne soit brûlé, que tout soit conservé et surtout que tout soit partagé. La connaissance de la parfumerie et de votre sorcellerie reste à ce jour notre meilleure défense contre votre emprise et votre envoûtement. Je requiers donc contre vous pire que la peine de mort, pire qu'un rancard avec votre avocate. Je préfère vous dépouiller, vous plumer, vous mettre à nu. Je requiers une interdiction d'exercer la profession de parfumeur ad vitam aeternam, assorti d'une obligation de révéler tous vos secrets à notre assemblée. Le parfum ne sera ainsi plus réservé seulement à ceux qui sont bien nés, mais ouvert à tous ceux qui veulent remettre leur nez au centre de leurs cinq sens. Merci, monsieur l'avocat général. Ma chère maître, vous avez la parole. Monsieur le président, madame, messieurs les jurés, chères consoeurs, chers confrères, chers lutins, chers loups-garous, chers elfes, chères citrouilles
et autres potages. Ce soir, c'est en un claquement de doigts que monsieur l'inquisiteur entraîne le génie des arts olfactifs devant une cour d'assises. C'est inédit. Voilà que magie serait sorcellerie. L'inquisiteur, homme peu nuancé, poursuit ici mon client pour l'infâme crime d'envoûtement. Et de ce crime, nous serions tous victimes. Vous fantasmez, monsieur l'inquisiteur, et ça se voit. Ce procès, il vous file entre les doigts. Cette procédure, vous ne la maîtrisez pas. Vous pensez la tenir, mais elle est frêle comme un songe, comme une idée qui se déforme, comme un rêve aux contours insaisissables. Et ce procès n'est que le témoignage de votre rapport à la parfumerie. Elle est langage que vous comprenez, mais que vous ne parlez pas. Alors, vous accusez ce soir mon client, Francis Curdjian, qui sait la pratiquer, la traduire, qui sait comment susciter l'odorat en faisant le pont entre une conception abstraite des vestiges de la mémoire et un flacon. Pour ça, vous voulez lui prendre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a. Pourtant, si cela peut paraître magique de revivre un souvenir par une odeur, ce n'est pas de la sorcellerie, ou du moins, pas au sens où elle est condamnée en droit sorcier. Mon client sera acquitté. Oui, monsieur l'inquisiteur, in limine litis, non seulement votre procédure est bourrée de vices, tout comme vous d'ailleurs, mais surtout, votre incrimination ne résiste pas à la contradiction. Elle s'évapore, elle se volatilise. Ainsi, avant d'entamer les débats au fond, mettons sous le nez de notre jury populaire que toute la procédure est nulle. À ce titre, rappelons-lui les conditions d'une enquête de flagrance en sorcellerie à l'encontre de Moldu, apprenti sorcier et magicien confirmé. J'invoque donc le Maleus Maleficarumi de 1468, seule et unique source légale conforme aux préceptes cardinaux d'un procès injuste et partial. Pour les bases, conformément au point 19666 de l'édit, la sorcellerie ne peut être investiguée que dans le seul et unique cas où l'accusé aurait fait l'objet d'une plainte anonyme mettant en cause sa réputation et ses fréquentations. Or, force est de constater qu'au cas d'espèce, le parquet de la magie s'est auto-saisi. Surtout, la réputation de mon client ne saurait être valablement dénigrée. Preuve ultime, son compte Amstramgram bourré bourré ratatam décompte 27 000 admirateurs. Aussi, monsieur l'inquisiteur, je vous rappelle que mon client a été nommé au grade des chevaliers des arts et des lettres en 2008. Et c'est l'un des grades les plus prestigieux, tout le monde le sait, après celui du grand chambellan des gouffres brûlants de l'ordre des Nostradamus. J'aurais pu m'arrêter là, mais il apparaît que les interrogatoires ont aussi manqué cruellement de rigueur. Oui, la torture, parlons-en. Franchement, monsieur l'inquisiteur, n'avez-vous pas honte? Peut-on, avec sérieux, renvoyer un accusé en cour d'assises selon une procédure conduite de manière si lâche? Pas une seule fois, mon client n'a fait l'objet d'un acte de torture. Vous trouvez ça normal? Pour rappel, une inquisition valablement tenue, c'est au moins une bonne heure d'Ali. Et selon les us et coutumes, c'est la coiffe rigida Santa Maria Novella que vous auriez dû appliquer. Lord Ali par l'eau de rose froide. L'accusé aurait dû être plongé dans une eau froide bénite ou à défaut dans la Seine par un matin d'hiver. Si mon client s'était mis à couler, c'est alors qu'il aurait été reçu par l'eau divine de notre Sainte Seine et ses apôtres les sciures, et donc innocenté. Si son corps s'était mis à flotter, eh bien sa culpabilité aurait été acquise. Autre possibilité, Lord Ali du beurrex au four. On gave la bête. Si elle s'étouffe, elle est coupable. Si elle avale et digère, elle est innocente. Rien n'en fut. Non, aucun acte de barbarie, même pas un petit écartèlement. Monsieur l'inquisiteur, avez-vous peur du sang? En réalité, ancien danseur classique, mon client est élastique. Il peut mesurer jusqu'à 90 mètres. Et vous le saviez, c'était dans le dossier. Il se serait naturellement blanchi avec une pirouette. Et non. Plutôt qu'un aveu sous la contrainte, monsieur l'inquisiteur a préféré se reposer sur des preuves matérielles. Quelle farce! Quelle mascarade! Alors justement, avant d'aborder la question de la matérialité de l'infraction, simplement, cher juré,
Notez que du sorcier, mon client n'en a point l'aspect. Il ne possède aucun signe communément admis en sorcellerie. S'il a un nez, celui-là n'est pas crochu. Il dispose bien encore de toutes ses dents. Francis, montrez-leur. Faites I. Très bien. Super. Excellent. Il n'a pas d'eczéma sur le flanc droit et il ne se délite pas à 18h42 le vendredi soir du sabbat. Au contraire, mon client est plutôt bel homme. Oui, Francis, je ne vous l'ai jamais dit, mais même du haut de vos 724 ans, vous êtes encore très attirant. Et vous n'avez rien à envier au bâtonnier Dutheil de 1500 ans, votre aîné. Oui, monsieur l'inquisiteur, contrairement à vous, moi, je n'ai aucun problème contre les vieux. Au contraire, plus sont vieux, plus sont craquants. Ensuite, sur la commission de l'infraction. Selon le parquet, mon client aurait envoûté vous, nous, une victime impersonnelle, un tout indéfini par la création et la mise en circulation de deux de ces créations. La rose de maison et le mâle. Pour la première, erreur grossière de qualification des faits. L'inquisiteur prétend qu'en invitant Marie-Antoinette à nouveau à la vie, l'accusé se serait rendu coupable d'envoûtement. Ceci est juridiquement totalement faux. En effet, le fait d'invoquer de manière directe ou indirecte les âmes décédées en vue d'une résurrection ou d'une ressuscitation temporaire ne correspond pas du tout au crime d'envoûtement, mais à celui de nécromancie, c'est du niveau de L2, monsieur l'inquisiteur. Outre cette erreur honteuse, la preuve du crime n'est de toute façon pas du tout rapportée. Mais oui, très peu de gens présents ce soir ont ici personnellement connu Marie-Antoinette et l'ont donc senti. Les seuls qui l'ont connu sont les honorables membres de l'Amicale des Chaussettes Rouges et du Retour de la Plaidoirie en Latin. Je nomme Alexandre Bordenave, membre du Conseil de l'Ordre, et Jean-Baptiste de Vara, ancien secrétaire. Franchement, dans ces conditions, peut-on vraiment vérifier si mon client l'a ramené à la vie avec son parfum? Mais non, supputation, fabulation. Ensuite, sur la création du mal et l'envoûtement de la population, là encore, l'inquisiteur est défaillant. Mais oui, qui dit envoûtement, dit formule magique. Or, jamais l'inquisiteur ne précise si la formule de la sorcière de Malcombe a bien été incantée. Bon, je vous la fais. Père Horus, Père Erra, Invictus, Chikaboum, Maloum. Ben non, jamais. Alors, sachez que si vous ponctuez cette formule en invoquant le pouvoir des trois, les effets conscientiels et neurasthéniques sur les filiations cognitives de la victime sont décuplés pour une efficacité d'envoûtement optimale et durable. Surtout, ne vous inquiétez pas. En tant qu'auxiliaire de justice et titulaire d'une spécialisation en droit sorcier canonique, je suis autorisée par le ministère de la Magie à invoquer en cours d'audience des formules magiques ou faire témoigner des marabouts d'Afrique sans que les effets néfastes de la sorcellerie ne puissent rejaillir sur le public. Enfin, tout ça pour dire qu'à défaut d'incantation, point d'infraction. De toute façon, il est impossible de soutenir que nous tous, victimes que nous serions, en sentant le mal sur n'importe quel quidam, nous pourrions y voir un homme chauffé au soleil après un bain de mer. C'est nier le principe de l'individualisme. Comment peut-on réellement soutenir qu'un parfum, aussi subtil, aussi complexe, aussi nuancé soit-il, aurait eu un impact équivalent sur toute une même assemblée d'individus, ayant chacun son histoire, sa peau, son vécu? Moi, j'aurais adoré chavirer dans le sillage d'un jeune homme portant le mâle et m'imaginer une douce et chaude nuit d'été, les cheveux au vent, et revivre ardemment mes 20 ans. Mais non. Non. Moi, quand je croise un homme qui sent le mâle, ça me fait plutôt penser au type de samedi dernier qui m'a reniflé les cheveux quand je suis allée payer mon verre au bar. Et non. L'universalisme en parfumerie n'existe pas. Il n'est pas un meilleur parfum, un seul parfum. Alors si, si. Si peut-être celui de l'argent. Et d'ailleurs, pour nos délégations extérieures, si vous pensez que l'argent n'a pas d'odeur, c'est que vous connaissez encore assez mal les fiscalistes de la Défense. Grâce à leur odorat très affûté, ils ont retrouvé leur chemin tout seuls jusqu'ici. Parce que ce soir, le buffet est gratuit. Cessons les généralités. Il n'existe donc pas un seul parfum, le parfum d'une vie,
qui fonctionnerait de façon indifférenciée, en tout temps, sur tout le monde et pour tout le monde. Le parfum est trop vivant pour une seule unité de temps. Un muscle le matin agresse, un muscle la nuit caresse. Et l'âme de chacun est trop singulière pour une seule unité de parfum. Alors oui, la parfumerie a certainement une part d'indomptable, comme l'art. Elle suscite et titille l'inconscient, sans pourtant le manipuler. C'est une magie qui n'est pas sorcellerie. Et d'ailleurs, ça m'ennuie d'avoir à démystifier mon client pour les besoins de la cause, mais en réalité, le pouvoir qu'il a de secouer les souvenirs, c'est surtout un grand labeur. Croyez-vous que l'on devienne génie par l'opération du Saint-Esprit ? Eh bien non. Comme un pianiste, tous les matins, mon client fait ses gammes. Il sent à nouveau les notes à toujours avoir en tête et au fond, à toujours garder dans le cœur. Il se remémore, maintient ses connaissances, enrichit ses archives. Vous cédez à l'illusion, puisque tout ce travail est tellement précis, tellement scrupuleux, tellement soigneux qu'il est imperceptible pour les profanes, comme l'entrechat des danseuses de l'opéra. Un parfum ambitieux représente un travail titanesque. Et pour le parfumeur, cette œuvre ne sera jamais totalement terminée. Elle lui laissera toujours ce sentiment d'inachevé. Il y passera des heures, des jours, parfois des années à tourner autour de l'idée qu'il s'en fait, s'en approcher, s'en éloigner, la saisir avant de la voir s'enfuir, puis la rattraper. Un parfum, c'est une toile de maître, c'est un ballet, c'est une symphonie. Elle porte en elle non pas le péché originel, mais le sacrifice de l'excellence dans la quête et l'obsession du bon et du beau. Est-ce un mal ? Mais bien sûr que non. De toute façon, tout ce procès est une comédie. Sur la preuve, pour justifier l'accusation en sorcellerie de mon client, l'inquisiteur semble se reposer sur le trafic de plantes. Mais qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans ? Mon client est parfumeur-créateur. Bien sûr qu'il maîtrise toute la chaîne de production. Il choisit les fournisseurs, il contrôle les plantations, il gère les canaux de distribution. Mais croyez-moi, sans ça, ses produits ne seraient pas d'une si belle pureté. Et plus c'est pur, plus c'est cher. Pour un gramme, sachez, chers jurés, qu'il faut 700 roses. Grasse n'a rien envié à Medellin. Alors oui, c'est cher, mais ça défonce. En revanche, si mon client ne conteste pas planter ni vendre, il est tout à fait faux de dire qu'il consommerait lui-même ses créations. Non, M. Curgian ne se parfume pas. Étonnant, n'est-ce pas ? Eh bien, de la même manière que les cordonniers sont les plus mal chaussés ou que les avocats se défendent avec les pieds, les parfumeurs ne se parfument pas. Bon, allez, si, une ou deux fois par an, dans le cadre d'une consommation récréative, occasionnelle, qui ne l'a jamais fait ? Non, en réalité, si mon client ne porte pas de parfum, c'est que ça le ramène toujours au travail. Pour un parfumeur, une odeur, si elle est sur votre peau, elle vous colle. Elle vous tire par la manche comme une vieille maîtresse. Elle vous murmure à l'oreille et vous rabâche tout ce que vous avez raté. Vous voulez la quitter. Pour éviter de telles déconvenues, mon client n'a aucune liaison avec les odeurs. Il préfère séparer la vie privée de la vie professionnelle. C'est plus simple. En tout cas, chers jurés, le trafic ne caractérise pas la sorcellerie, et pas plus que l'aveu d'un autre, d'ailleurs. Oui, souvenez-vous, pour l'inquisiteur, puisque mon client s'est identifié au personnage, un aveu de Jean-Baptiste Grenouille serait un aveu de Francis Curdian. Chers jurés, ne vous méprenez pas, poudre de perlimpinpin ! Ce n'est pas parce qu'un jour, j'ai dit que j'aurais adoré être comme Buffy, que j'ai déjà tué un vampire. D'ailleurs, j'adore les vampires, j'ai plein d'amis vampires. Regardez, tous les membres du Conseil de l'Ordre sont mes amis. Allons, allons. Nous avons tous déjà rêvé d'être un autre que soi. Ça ne fait pas de nous des assassins ou des sorciers exerçant la profession sans autorisation. Laissons les rêves loin des prétoires. Laissons les désirs d'évasion loin des prisons et justement, rêvons. Cher président, si vous le souhaitez, rejoignez les maisons closes d'autrefois en pulvérisant partout autour de vous l'odeur boisée, terreuse et sèche du patchouli. Essence que l'on vaporisait sur les châles des belles de nuit et autres cocottes pour en écarter les mythes qui rongeaient tissus et chemisiers. Mon client peut vous le faire vivre et ça lui fait plaisir de vous faire plaisir. Alors oui, peut-être parce qu'il voudrait qu'on l'admire. Peut-on lui reprocher ? Est-ce que ça fait de lui un sorcier ? Est-ce vraiment un mobile de vouloir être aimé ? Bien sûr que non. Si vouloir être aimé était un crime,
Il n'y aurait plus aucun avocat au barreau de Paris. Monsieur l'inquisiteur, votre dossier est vide. Et a fortiori, votre peine n'a aucun sens. Monsieur, vous conduisez un procès en sorcellerie par envoûtement. Mais vous écartez le bûcher. Même pas une petite brûlure indienne ou quelques brûlures de cigarettes. Non. À la place d'un bûcher chaud, ou même d'un bûcher froid, il faudrait une peine d'apparence tiède, émise par un pisse froid. Monsieur Curgeon devrait cesser d'exercer sa profession et qu'en plus, il vous livre ses secrets de fabrication. Franchement, c'est inquiétant. Après celui de l'avocat, vous pensez aussi que vous pouvez piétiner les secrets des affaires. Vous me dégoûtez. Vous êtes à l'image de votre toilette scorpion. Vous êtes lâche. Vous êtes fourbe. Vous êtes bas de gamme et vous sentez d'ici. Monsieur, c'est quoi cette expropriation? Le parquet a flairé le bon coup? Il a enfin trouvé un nouveau moyen de se financer? Allons donc, cessons cette farce. Mon client est innocent, il n'est pas sorcier. Il est conteur, poète, il est troubadour, il est symphoniste, peut-être même illusionniste, mais jamais il n'a cueilli les fleurs du mal pour les mettre dans un parfum. Bien au contraire, c'est un gentil génie qui ne demande qu'à sortir de son flacon. C'est la bonne fée marraine. Mais oui, Francis est un bienfaiteur. Il donne de son temps à ses élèves notamment, car il enseigne déjà la magie à ses apprentis. Et deux, le plus important, il donne son argent. Alors oui, il est pété de thunes, mais Francis, il est comme ça. Il donne ses sous à moi, déjà, mais aussi à l'Institut Pasteur. Avec son fonds Link, il finance la recherche contre le sida. Avec un autre fonds, il promeut l'art. Il est aussi en train de fonder la plus grande bibliothèque des odeurs du monde. Mais attendez, c'est pas fini. Il a aussi créé la fondation Le bien, c'est bien, le mal, c'est pas bien. Et c'est lui que vous voulez condamner? Mais arrêtez le polynectar, monsieur l'inquisiteur. Mon client n'a rien de démoniaque et il sera acquitté. Car on ne condamne pas les anges. Non. Les anges, on les admire. On les peint, on les chante, on les loue. On les regarde passer, on leur donne leur part, mais jamais on ne les prive de leur liberté. Les anges sont notre dernier lien entre les rêves et la réalité. Monsieur l'accusé, vous pouvez dire peut-être quelques mots? Non. Si ce soir, je vais utiliser l'art de la rime, ce n'est pas pour la frime, mais pour me laver d'un crime qui rejaillit également sur ma marque éponyme. En m'invitant ce soir en tant que parfumeur, je vous le dis à toutes et à tous, vous commettez une grave erreur. J'arrive à tant qu'accusé, et de tout soupçon vous verrez, à la fin, je serai lavé. En 12 ans de détention préventive à la maison d'arrêt de Nanterre, monsieur le président, l'avocat général, mesdames et messieurs du parterre, j'ai eu le temps de préparer ma défense avec l'aide de mon avocate, maître Collin, ici présente, qui m'a coûté plus de 100 patates. J'ai rongé mon frein vaillamment, qu'arrive enfin ce moment. Depuis tant de temps que je rumine, je n'en puis plus, je fulmine. Je n'ai pas pu clamer mon innocence, loin de tout et surtout de mes essences. Pendant ces 12 années, même pas en cellule VIP, j'ai longtemps réfléchi au problème. Pourquoi sur moi avez-vous jeté votre anathème? Je vois bien que l'on peut me mettre à bas avec ma rose, mon patchouli et mes chinchillas. Après moult réflexions, j'en arrive à une seule conclusion. Je dérange l'ordre établi, instauré par toute la salle réunie. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes toutes et tous des complices fallacieux.
Oui, monsieur le président, vous mangerez votre serment. Oui, monsieur l'avocat général, je vous enverrai en oural. Quant à vous, mon avocate, je vous demande de rester coite. Vous voulez toutes et tous me faire sauter la tête, comme moi, au bois de cèdre, pour qu'il soit net. J'ai de nombreux amis dans la salle, à qui je dois exposer d'abord votre cabale. Pour comprendre le fond de l'affaire, j'ai dû user de mon flair. Tout a commencé en novembre 2009, un mercredi, vous connaissez tous le quai de l'horloge, à midi. On reparlait encore du parfum et des auteurs, à qui l'on déniait le droit au compositeur parfumeur. J'étais convoqué par la très haute assemblée car insusceptible d'être protégé au titre de l'esprit, ma première création faillit. Si vous ne me croyez pas, allez en sortant de ce pas, consultez votre Dalloz, vous verrez qu'on y parle aussi des roses. Il y a trop d'intérêts en jeu, me dit-on, mais que faire du qu'en dira-t-on ? Je suis un être libre dans mon corps et ma tête. C'est pour cela que j'espère vous voler la vedette. L'art de la rhétorique est une arme de destruction mentale. Celle du parfumeur n'est pas non plus banale. Aucune juridiction ne reconnaît donc le parfum comme œuvre de l'esprit, à croire que pour sa création seule suffit de convoquer le Saint-Esprit. La protection de la partition d'un parfumeur n'existe pas, contrairement à celle du musicien, ou pour un couturier, c'est falbala. Du droit d'auteur en parfumerie et sa reconnaissance, vous vous défaussez tous coupablement par le silence. Cela met à bas l'innovation et la création, et de contrefacteur, je subis la prédation. Vous avez tous, ça et là, personnellement, des intérêts à défendre ardemment. Toutes et tous êtes complices pour me mener au supplice. Je préside la Société internationale des parfumeurs créateurs, qui depuis 1792 n'a pas édité de charte du parfumeur. Je m'apprête à restaurer en janvier, pour que nous retrouvions tous, parfumeurs, notre intégrité, mais mon texte et mes arguments dérangent, et vous souhaitez me couvrir de fange. Ce soir, je me délecte avec délice, comme je lécherai un bâton de réglisse, des arguments que j'ai trouvés pour que notre droit soit enfin restauré. Contre votre inacceptable cabale, ce soir, je siffle la fin du bal. Penseriez-vous que j'allais en rester là ? C'est mal me connaître, ma foi. Vous m'accusez de tous les maux, mais comme pour l'essence d'orange, je vais vous faire la peau. Pour prouver mon innocence, j'ai décidé d'user d'insolence. Je vais donc démonter un à un vos arguments comme j'effeuille le jasmin. Je vais vous démontrer par 1 plus 1 égale 2 et A plus B que vos sordides accusations ne sont que pures allégations. Contre toute attente, je lâche ma première fiente. Contre maître Joséphine Collin, j'en conviens, ce n'est pas anodin. Oui, la première salve est pour elle. Nous ne sommes pas ici en commission à Bruxelles. Alors, avec son air innocent, mon avocate use de la magie telle une moderne écate. Elle est censée représenter la nation, mais du diable, elle est la réincarnation. Tenez, je cite Wikipédia, et oui, allez, pourquoi pas. Prise par affection par Zeus, écate reçoit un pouvoir souverain sur la terre, la mer et le ciel. Elle devient la déesse protectrice des orateurs populaires au sein des assemblées, s'assied auprès des rois au tribunal. Progressivement, elle se retrouve associée à la face sombre de l'astre lunaire et se voit prêter des capacités de divination et de sorcellerie. Elle m'a laissé 12 ans en tôle. Pour oublier, j'ai dû siffler de la mauvaise gnôle. Avocat rime bien avec Edcat et je vous dis échec et mat. Donc vos mots, toujours vos mots, rien que des mots, les mêmes mots. Même si vous avez été brillante ce soir, je n'ai pas oublié mes 12 ans de purgatoire. Et sous vos airs candides se cache une âme fétide. D'ailleurs, il est temps que je vous fasse une confidence. Depuis que nous avons fait connaissance, vous avez comme Joséphine de Beauharnais l'amour immodéré du musc qui empestait. Sauf que moi, cela ne me fait absolument aucun effet. Vous m'avez laissé sur le carreau et aujourd'hui, vous faites le show.
Ici, nous ne sommes pas à Monaco, c'est moi désormais qui parle haut. Comme toutes et tous, je suis sûr que vous avez la frousse, que votre aîné de grand patron vous file des coups de bâton. Vous avez été incapable de me sortir de prison, telle aurait dû être votre mission. Vous m'avez laissé en tôle croupir, vraiment, ça ne m'a pas fait rire. Il est vrai qu'un bon parfum se bonifie avec la macération, mais à un moment, il y a péremption. Maintenant, à votre tour, monsieur l'avocat général. Mais vous appelez monsieur l'inquisiteur, je me régale. Finalement, toutes vos sornettes glissent sur moi comme une savonnette. Vous cherchez à séduire cette noble assemblée dans le but d'être accepté par vos aînés. Vous avez certes gagné le concours d'éloquence, ce n'est pas une raison pour perdre votre indépendance. Vous n'êtes qu'un arriviste qui ne fera ici qu'un tour de piste. En premier lieu, pour montrer votre partialité, je souhaite à votre noble descendance vous rappeler. Monsieur Mailleul pestre dans le civil, monsieur l'inquisiteur, vous n'avez vraiment rien d'une bonne sœur. Votre noble aïeul, Mailleul de Cluny, abbé de son état, lui-même père spirituel du grand inquisiteur Thomas de Torquemada, confesseur d'Isabelle de Castille et du roi Fernand II d'Aragon, plus d'une fois a jeté des centaines de sorciers au charbon. De votre enseigne, la hargne, vous avez hérité, mais certes pas le talent dont vous êtes délesté. Vous pourriez avoir la même grâce que sur Twitter, Maître Eolas. Mais non, je le répète, vous n'êtes qu'un malhonnête. J'ai des preuves via des fadettes que vous, monsieur l'inquisiteur, vous n'êtes pas net. D'un haut personnage de cette noble assemblée dont le téléphone renvoie à un certain Philippe-Henri D. De lui, par intérêt, vous vous êtes rapproché alors qu'après moi, il vous est présenté. Vous savez très bien qui est-ce, il se prend pour une altesse, qui, tel un maréchal nord-coréen, avec toutes ses décorations, s'exhibe l'air de rien. Ce fut naguère un cher et tendre ami, mais c'est comme tout, s'étiole le pissenlit. Mais revenons à la raison contre toutes vos élucubrations. Monsieur l'inquisiteur dit que je suis un maître des potions à la tête d'un trafic de plantes. Allons bon. Vu son âge et surtout son discours, tout cela est mou comme le rocamadour. C'est plutôt lui qui des plantes a abusé de la consommation, mais de celles qui provoquent des hallucinations. D'ailleurs, sur son funeste ramage, on devine un sombre sillage. J'en perçois les notes d'où je me tiens. J'affirme que son alep ne sent pas le jasmin. En ce qui concerne votre deuxième point, j'ai l'audace d'en rire comme un babouin. Vous confondez magie avec sorcellerie, opium de Saint-Laurent avec opiacé de Livry-Gargan. Après toutes ces années, votre latin, il faut réviser. Enfin, vous prétendez que ma sorcellerie a pour but l'envoûtement, car j'aurais besoin d'être aimé tout bonnement. Le parfum de Suskin est un roman de fiction. Effectivement, comme grenouille, je maîtrise l'art de la distillation. Mais moi, je ne m'intéresse pas aux femmes vierges. Ça fait trop longtemps que je tâte de la verge. Alors, monsieur l'inquisiteur, il faut revenir sur Terre. Dans les étoiles, vous ne faites pas la guerre. C'est sérieux ici, nous sommes aux assises. Stoppez, je vous prie, vos vislardises et commencez par arrêter le chichon. Sinon, on va finir par se crêper le chignon. Revenons encore au fond de l'affaire et à cette accusation dont je n'ai que faire. Vous me traitez de sorcier, mais j'en ai pas le nez. Bien sûr, j'ai le nez aquilin, comme celui d'un Arménien. Nez dont je suis fier, comme un mousquetaire. Et d'ailleurs, c'est de mon nez que vous auriez dû faire l'éloge, plutôt que de faire des vocalises dans votre toge. Vous auriez, mon jeune homme, de mon nez pu dire, ô Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que j'en refasse la carcasse.
Vulgaire, mais il vous sert à parfumer les pétasses. Pour vous moucher, faites-vous fabriquer un nap, à moins que ces poils vous servent de canapes. Interrogatif, qu'en faites-vous au laboratoire? Vous sert-il d'entonnoir? Truculent, dites monsieur avec un tel groin, trouvez-vous de la truffe dans tous les recoins? Botanique, de quoi sert cette oblongue capsule d'extirper la rose de son pédoncule? Curieux, que faites-vous avec votre pif en dehors de vos moments créatifs? Méprisant, à quoi sert votre blaire en dehors de l'art de plaire? Spirituel, enfin, mais que sort de vos narines si ce n'est une émotion divine? Prévenant, faites-lui un petit parasol, de peur qu'au soleil il ne rissole. Climato-alarmiste, c'est la mer rouge quand il saigne. Enfin, vous auriez pu être moins teigne et être admiratif pour un parfumeur qu'elle enseigne. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais vous vous êtes trompé de cible et vos arguments restent inaudibles. Mon nez me sert à faire au plus de la magie et non, comme vous le prétendez, de la sorcellerie. Contrairement à ce que vous clamez, loin d'être l'accusé, monsieur l'avocat général, je suis la victime d'une cabale, c'est ce que j'affirme et maintenant je le confirme. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, la salle entière est complice pour que votre condamnation s'accomplisse. Même monsieur le président est compromis, puisqu'il a convié sa famille autour de lui. Tenez, Emmanuel Guichard, neveu de son état, délégué général de la FEBA, la Fédération des produits de beauté, dont le parfum, comme par hasard, est l'un des piliers. S'il n'y a pas conflit d'intérêt, je n'ai plus qu'à poser ma candidature au parquet. Il m'a envoyé un courriel avant-hier soir, heureux de me voir sur scène et lui d'être dans le noir. J'ai la pièce avec moi à conviction et vous la lis sans hésitation. Pardon, Emmanuel. Non, Emmanuel, c'est le neveu. Emmanuel Guichard à Francis Curdjian. Cher Francis, j'espère que nous croiserons vendredi prochain lors de la rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Mon oncle Michel est l'actuel bâtonnier. Au plaisir de s'y voir et surtout de vous écouter, Emmanuel. Je la livre à mon avocate. Cette preuve est puissante, comme l'odeur des acétates. Je vous disais plutôt avec malice que vous étiez toutes et tous complices. En fait, l'arme du crime est entre vos mains et bientôt, vous ne ferez plus les malins. La touche parfumée que depuis une heure vous tenez de mon sang innocent est imprégnée. Vos empreintes digitales y sont désormais déposées. La vraie justice, je vais maintenant interpeller. Ceci n'est qu'une grotesque mascarade dont la fin approche, tout comme ma charade. Dans le dos, vous m'avez lâchement poignardé, mais grâce à vous, mon Dieu, que je me suis amusé, je me retire à présent, je dois écrire mon testament. Donc, humez ce parfum que Francis Curdjian a fait pour vous ce soir. Vous repartirez avec l'odeur.
Nous allons maintenant délibérer. Monsieur Francis Kurdjian, les faits reprochés sont d'une extrême gravité. La sorcellerie a longtemps été considérée comme un crime passible de la peine de mort. Ce n'est que récemment, en 1682, que ce n'est plus le cas. Pire encore, la sorcellerie a été glorifiée récemment par le jeune Harry Potter, et même encore par la fête annuelle d'Halloween. Il faut encore plus se résigner. La nouvelle écologie nous interdit les bûchers producteurs de CO2. Cependant, vous avez fait preuve d'une grande magnitude. Vous avez bien voulu offrir à nos invités de ce soir un coffret de parfums de votre maison. Vous pourrez, en partant ce soir, le récupérer et conserver ainsi des effluves de cette soirée de nos 50 ans que vous avez rendue, Maître Kurdjian, envoûtante. Voilà. Très belle expérience. Merci. Merci. Bien, la soirée est finie. Bienvenue au buffet. Vous avez deux buffets, un buffet pour les jeunes en haut, pour les vieux en bas. Enfin, vous trouverez votre buffet qui vous plaira. Consommez avec modération. Je souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt.